Hello, salut tout le monde et bienvenue. Bienvenue dans ce nouvel épisode de God of War Ragnarok où on poursuit donc l'aventure Kratos et Freya. Hein, c'est une nouvelle aventure. Atreus étant à Asgard auprès d'Odin. On va tester là. Ah ok, non mais... Ah oui mince, d'accord. Mince. Non? Ah d'accord, je suis complètement dessus. Ça a marché. Ouais. Par contre, je me demande si on ira dans les deux sens. Si on ira à droite à un moment Ton donné. opinion. Est-ce pour cela que tu as souhaité cette alliance? Attends-tu de moi que je mène tes armées lors du Ragnarok? C'est à Tyr de le faire, pas à moi. Tyr n'a plus rien d'un dieu de la guerre. C'est évident. Moi non plus. Cette vie appartient au passé. Pas la partie qui consiste à tuer des dieux. Sinon, que faisons-nous dans ce royaume? Forger cette arme, c'est ton choix. Et tu sais où il pourrait... Je me fais protéger. Je sais. Je sais. Et tu sais comme moi ce que la protection d'un enfant peut nous amener à faire. Merde! T'as eu... Je l'ai pas vu venir ce truc, hein. Ah, ils m'ont surpris. D'accord. Voilà. Let's go. Trois sur quatre, plus qu'un. Let's go. Attention. Ces mornes sont possédées par des cauchemars. Ils les rendront encore plus dangereux quand ils vivront. Ouais, il m'a fait venir ici. Hop là. Je regarde juste. Ok. Je pensais que je revenais en arrière. Du poison vient d'en haut. Voilà. Attention, crachat empoisonné. Renversement. C'est bon, j'ai eu. J'étais dedans. La mère d'Atreus est effrayante, n'est-ce pas?
C'était une yotnar. Oui. Je me doute qu'elle ne faisait pas la taille d'une maison. Je sais que tous les géants ne le sont une pas. Une différence de taille n'est pas un mal, quoi. Pas plus qu'avoir des membres en trop, ou en moins. Cela va de soi. Je fais triangle alors que c'était croix. Putain, je sais pas pourquoi, des fois, je sais très bien que c'est croix, mais je fais triangle. Non, apparemment, ça sert à rien. C'est pas toutes les flammes. Il y a là-haut. Bien fait de monter. Ça c'est fait. Y'a rien à faire tomber. C'est bon. Let's go. Une, deux. Voilà, l'autre ouais. Porte à présent. Voilà, je me dis bien qu'on allait faire les deux portes. Pourquoi cette question? Odin s'est opposé aux géants pendant des générations et a quasiment éradiqué leur espèce à deux reprises. Aujourd'hui, tu es peut-être sur le point de l'en empêcher une bonne fois. Ne crois-tu pas que c'est ce que ta femme aurait voulu? Ne présume pas de ce qu'elle aurait voulu. Je ne dis rien que tu n'aies déjà pensé. Comment était-ce déjà? Ces secrets hantent chacun de tes pas. Peut-être que si tu exprimais tes doutes, tu ne les hurlerais pas au visage de ton fils. Je n'en ai aucun. Elle connaissait mon passé. Jamais elle ne m'aurait demandé cela. Pourquoi aurait-elle eu à le demander? Elle a vu ton destin. Ça tournait où là? J'ai pas vu. Trois parents d'Odin sont déjà morts sur la voie qu'elle a tracée pour toi. Elle savait exactement ce qui se passerait en t'envoyant à Jotunheim. Ce ne sont là que des suppositions, Altesse, dont nous devrions sans doute nous passer. Après tout, nous essayons de tous coopérer, il me semble. Tu as raison. Ce n'est pas à moi de le dire. Bon. Faisons tourner cette... C'est un début. C'est du bon travail. Non, putain! Je t'ai pas vu arriver. J'ai pas le temps de faire quoi que ce soit et... Allez go, cette fois oui. Voilà. C'était où déjà? C'était par là. Non, je peux pas le prendre pour l'instant. Et ici. Allez. Voilà. Bien.
Hein, que diriez-vous d'un grand bol d'air frais après ça? Oui, je m'en doutais. Nous approchons, je le sens. Ou à mettre en doute ton mariage. J'ai simplement l'impression que tes pensées ne sont pas encore en phase avec ton instinct. Et ce sentiment m'est familier. Ouais. Elle va pouvoir peut-être l'aider, hein, dans un sens. Même si elle n'est pas totalement en phase avec elle-même aussi, hein. Parce que peut-être que ils pourront, même s'ils se sont, on va dire, ralliés de nouveau, et ben peut-être qu'ils pourraient s'aider personnellement l'un et l'autre. On ne sait jamais. Une fois sorti d'ici, je te laisserai tranquille. Le temps que tu décides si tu es prêt pour ce qu'implique la création et l'utilisation de cette arme. Ok, attends. Non, je pensais que je pouvais aller à un autre chemin, mais non. En attendant, je vais voir si je peux apprendre autre chose de cet endroit. Qui sait, je renverrai peut-être quelques Eneriars au Valhalla pour la forme. Bon, amuse-toi bien. Hé, hey, vous voilà. Hein? Il était temps. Tout est prêt ici. Il y a un autre endroit ici. Il nous reste plus qu'à pousser jusqu'à la forge. Funky. Ouais, c'est bon. Salut. Bon. Cette fois, on fait équipe avec... avec Brock. On a déjà fait, mais là... Il n'y a que lui et nous. On peut dire que vous vous êtes démené pour venir ici libérer le vieux tir. C'est pas vraiment ce que vous vous attendiez à trouver, hein? Mais non. Il s'agit de piquer ma tambouille, il se réveille. Allez, go, 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 cours, 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 cours. Occupe-toi, Sonny, nous allons bien avancer partout. Voilà, c'est bon. T'es bon? T'es quand qu'on arrive? Pas étonnant qu'il ait fermé les portes. Hé, hey, ça compte! Approche! À moins moche avec mon marteau. Pardon, je t'ai coupé, hein. Okay. Ou dans le museau. Un instant, je l'ai presque. Voilà. Bien le bonjour, étranger. Vraiment, je ne m'y ferai jamais. On va croiser des types du coin. Faites pas les sauvages et ça devrait bien se passer. Oh, arrêtez un peu de cailloter, bande de têtes mamelles. Emmorvez dans vos équipements de protection. Vous avez jamais vu une légende ou quoi? Je sais pas. Ok. On va pas attendre 150 ans non plus. T'es où? T'es là. Oh, ça sent pas bon, ça. Tu vois le problème, hein? Ces fichus yeux voulant mettre leur nez sur les câbles. Va falloir trouver un moyen de monter pour nettoyer tout ça. Oh, j'ai vu. C'est trop beau. Ok.
Bon, on peut l'amener ça? Ça descendra pas plus bas tant qu'on se sera pas occupé de Sunny. Allez, d'accord. Tâchons de nous rapprocher. Tu ne toucheras pas, Sunny. Voilà. Tu as juste l'air idiot en essayant. Attends. Non, c'est bon. Bon. On dirait que cette roue là-haut permet d'ouvrir la porte. Ok, donc là il y a un puits ou un truc comme ça. Pas de prise de ce côté. Fouille à droite, à gauche. Il doit y avoir un moyen d'activer cet élévateur. Ah, mais j'ai pas vu. J'ai pas vu qu'on pouvait par là. As-tu remarqué comme les nains du camp semblaient bien plus inquiets de la présence de Brock que de la tienne? Ils avaient l'air surpris. Bon, j'ai plus qu'à tourner cette manivelle et boucher ce geyser. Donne-moi le signal dès que t'es prêt. Maintenant. Tout de suite. D'accord. Encore. Ah ouais, j'ai pas besoin, c'est vrai qu'il y a les... Ok, je te montais là. Putain, je regarde. Hé hey, moi, je m'occupe de la manivelle. Je sais, je sais. Ah, prometteur. Et voilà, en plein dedans. Allez, ferme le truc. Voilà. Kratos martèle le sol. Vas-y, fais monter. Tac, tac, tac. Et tac. Et ça, c'est ce que j'ai. Qu'est-ce que... Que j'ai monté là-haut. Ok. Là, attends, on va monter par là. Oh, je crois qu'ils nous ont vus. Qui ça? Ah. Ok, attends.
Viens là, toi. Merde. C'est pas ce que je vais faire. Enfin, on va pouvoir rejoindre la forge maintenant. Ok. Hey, la dame nous attend. Hey, j'ai une autre devinette. Plus vous en retirez, plus je grandis. Qui suis-je? Voyons voir. Quelque chose d'abstrait, je présume. L'appétit? Non, ça ne fonctionne pas. Ils vont perdre la tête. Oh, mais c'est qu'il est malin. Non ? Ah d'accord. Oh, je te jure, pourquoi je me suis cassé la... Putain. Je me suis cassé la tête pour rien, quoi. Ouh, il fait frisquer. Je vais en prendre un peu pour la dame. Et prendre quoi? Le vent? Non, idiot. Le son du vent. Comment? Observe et apprends. Ouais, bah observe et apprends, mais... non, c'est pas ça. Mode photo. De relation entre ce qui peut être touché et ce qui ne peut pas l'être. L'important, c'est de comprendre. Qu'y a-t-il à comprendre? Que la nature d'une chose ne se résume pas à sa forme. Ok. Un instant. Ça doit faire mal, mon frère. Et je vais faire claquer le fond de mort. Approche, je te crève. Pourquoi ce que t'as? Voilà. J'attends. Revenons-en. Ok, c'est ici. La dame de la forge. Il y a pas de créature plus magique dans tout le royaume. Je te jure, j'étais pas plus haut que les genoux d'une Noken. Que je rêvais déjà de la rencontrer. Mais Sindri a jamais voulu. Soit disant que j'étais trop rustre. Mais aujourd'hui, ça y est, enfin. Ouh, j'en ai l'oignon qui frétille. Ok, d'accord, merci de cette image. Eh bien, Brock, je ne t'ai jamais vu si... respectueux. Serais-tu nerveux? Quoi? Tais-toi. Non, ferme-la. Oh. Je baille trop. Ah. C'est pas de la même couleur, celui-là. Là il est gris ou je sais pas, un truc comme ça, et là il est bleu.
Je sais pas si c'est fait exprès. Allez, Blanchette, tourne la manivelle. C'est parti. Ça ne marche pas. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a cette fois ? Écarte-toi que j'y jette un œil. Ah, bon sang de bonsoir. Alors quoi ? C'est à moi de tout réparer dans cette foutue ville. J'ai besoin de 2-3 trucs. Suivez-moi. Cet endroit est complètement délabré. Un manque de respect, je te dis. J'ai besoin que cette hache aille faire des papouilles à ce truc, là-bas. Un truc piquant et argenté. Tu vas trouver. Ok, piquant et argenté, c'est ça, non ? Cette dame, qu'est-ce qu'elle fait ? Ça, on le découvrira bientôt tous les deux, pas vrai ? Ce que je sais, c'est que si on est chanceux, elle nous accordera sa bénédiction. Elle la donne pas à toutes les armes, mais celles qui ont droit de vraies merveilles. La hache ? Ça, c'est un cas particulier qui a été... Ah non, c'était ça ? Mais ça, c'est pas argenté, mais bon. Je te raconterai peut-être une autre fois. Allez. Oh bordel, putain. Faye était la seule à comprendre mon humour raffiné. Ah ça, c'était une femme d'exception. Mais à côté de la plaque en ce qui concerne les hommes. Maintenant, il me faudrait un peu de ce morceau de bronze là, au milieu des bouts de bois. À cette époque, je voulais tellement être que je travaillais jusqu'à l'épuisement. Mais avec le temps, on ressent moins le besoin de faire ses preuves et on apprend à avancer à son rythme. Ça permet de garder ses forces pour des choses plus personnelles, comme impressionner la dame, par exemple. Alors, le bouc, tu donnes ta langue au chat. C'était rapide. Je n'abandonne jamais. Plus vous en retirez, plus je grandis, c'est ça ? C'est bien ça ! Hein ? Je l'ai. Le désir. Non. Comment ça, non ? Lorsqu'on nous retire ce que l'on désire... On ne le désire que plus. Bon, d'accord, ce n'est pas parfait, mais je veux entendre ta réponse. Ha ! Tu n'auras pas si facilement. Allez, c'est reparti. Plus qu'une manivelle à tourner avant d'atteindre la forge. Je ne vois pas de forge. Tu ne vois pas la forme d'une forge. Mais on approche de sa nature. L'espace d'un instant, j'ai cru que j'allais le comprendre. C'est bon, tourne. Let's go. Et tout est sous l'eau en ce moment ou ça se passe comment là? Où est la forge? C'est trop beau. Je... Elle est belle. Elle est belle. L'arme aussi, hein. Il lui manque le dernier ingrédient. Le sang d'un dieu.
Donne-lui ta main. Est-ce que c'est bon ça de faire ça? Forcément. Ah non. Ok. Oh, c'est génial. Dophie Fretter, j'ai failli oublier. Madame, ce serait un honneur pour nous si vous acceptiez de la bénir. Vous... C'était quoi ça? Elle m'a complètement ignoré. Les sirènes ne s'adressent pas à nos corps matériels, mais à une partie de nos âmes. Plus précisément, une partie qui te fait peut-être défaut. Merde. Merde. Bordel, Sindri, ce fouille merde mythomane. Je le savais, je suis mort. Je suis mort de chez mort. Qu'est-ce que tu me veux? Elle doit être bénie. Ouais, bah celle qui devait la bénir vient de repartir bouffer des algues. Elle doit être bénie par un grand forgeron. Quoi? Non. Non, je peux rien bénir. Il me manque des bouts d'âme, là. La bénédiction ne vaudrait rien. Seul compte la nature d'une chose, pas sa forme. D'accord. Puisse cette âme frapper juste. Puisse-t-elle être maniée avec sagesse. Puisse-t-elle se reposer une fois son œuvre achevée? Rentrons à la maison. Voilà. Juste un regard, ça suffit, quoi. Ah, ça peut-être me permettre de faire ça. Cette beauté à la maison avant de l'avoir emmenée. Regarde, derrière toi. Ah, range tes griffes. Hey, t'as pas essayé ta nouvelle lance? Qu'est-ce que tu fais? Emballer sur ta lance et plus de tout ça. Ah, ça c'est cool, c'est qu'ils ont repris par rapport Oh, c'est cool. C'est pas ta première fois avec une lance, j'imagine. C'est la première arme d'un spartiate. Eh ben, comme au bon vieux temps, alors. C'est fou comme tu me retires les mots de la bouche. Lance-toi, ah. Trop ni en fera d'autres.
Bien plus rapide. C'est le dernier. La lance Dropnir m'a l'air plutôt adaptée au combat. Voyons si elle peut aussi servir à autre chose, tu veux? Peut-être ça, non? C'est ça. Non? Ok, c'est pour monter. J'aurais préféré Atreus hein, dans le premier déjà. Merci pour ce que plus léger, hein, je pense. Hein. C'est bon d'avoir des amis quand on découvre que son frère n'est qu'un menteur hypocrite. Je suis sûr qu'il cherchait à te protéger. Il n'avait pas à en décider. Quand on meurt, on a au moins le droit de le savoir. Courage, Brock. Nous mourrons tous un jour. Pour certains, plus d'une fois. Bah, peu importe. Oui, Kratos en sait quelque chose. On va mettre la lance à l'épreuve. Allez, du nerf. On va devoir se creuser les méninges plus loin. Attends. Par les valseuses du grand serpent, des nids de mirette, prépare-toi à tailler dans le tas. Attention, vise le satané nid. Ah, il est où? Ah, d'accord, j'ai pas eu. Derrière toi, prends garde. Occupe-toi de ce nid, ou il va vite y avoir des yeux partout. Derrière toi, prends garde. Arrête de traînasser et détruis-moi cette chose avant que d'autres saletés en sortent. Ah, attention, dans les airs. Tu ne vois pas d'où il sort. Allez, frappe-le. C'est bon. Ah merde. C'est pas ce que je voulais faire. Envoie une lance sur ce genre de cible et je te garantis que tu en verras très vite. Let's go. Franchement, la lance, elle est top. Oui, c'est ce que je disais en fait avant. C'est que les armes, par exemple, dans les trois premiers God of War, on avait plusieurs armes. On avait les lames du chaos qui étaient l'arme principale. Après, on a eu, je crois, une espèce de la grosse épée. Alors, je sais plus comment elle s'appelait. Je crois que t'en avais d'autres. Si je dis pas de bêtises. Je sais plus combien d'armes on devait avoir. Et dans le premier God of War de 2018, je parle. 2018, on a que la âme, que la lâche, rien à voir, que la hache, la hache, on l'a pendant tout le long, et les lames du chaos, c'est vers la fin, je dirais, qu'on a les lames du chaos, et là, on a la hache, les lames du chaos, dès le début, et là, on a maintenant une lance, donc on a trois armes, donc c'est vraiment cool qu'on puisse gérer ça, et flèche du haut sur la manette, ça fait rien, donc je pense qu'on aura une quatrième arme. On peut pas passer par là. T'as une réponse pour moi, petite tête? Ou bien ça grandit quand on en retire? Ah, ce seraient les amis. Car plus le temps nous en enlève, plus ils prennent de la place dans nos souvenirs. Non, oublie.
À voix haute, ça n'a pas le moindre sens. C'est une bonne journée. Ces foutus yeux pour tous les morts. C'est mieux pour les frères. À droite, mon frère. Oh. Yo. Non! Je vais les balancer à l'autre. Et où? Ah, je pensais qu'il... Je pensais qu'il était en feu. Ça, c'était bizarre. Quoi donc? Hey, à l'œil, ça va te permettre de monter. La lance te parle, on dirait. Tu apprends plus vite que je ne peux enseigner. Ah, cool. Ça, c'est bien, ça. Avec ces petites chéries, tout est une question d'angle. Faut que ça entre tout droit. Je te dis que tu es trop sur le côté. Je ne vois pas de point vulnérable en bas. Mais continue à chercher. Wow. Voilà. T'es sûr que t'as jamais fait ça avant? Alors je sais pas, attends, on arrive d'ici. On est arrivé d'ici. Hein. Et je pense que la suite c'est par là. Tu vois? Assez solide pour grimper, se balancer, tout ce qu'il te faut. Allez, combat! Je vais faire ça si je peux. C'est l'un des petits de Nestor. Utilise le piège. Ah, c'était d'accord. Les créatures que l'autre m'avait parlé. Génial! Tu l'as eu! Oh, salut! Désolé, je ne voulais pas te faire peur loin de là. Ce n'est pas le cas. Attends. Ah, voilà, on peut améliorer ça aussi. Donc là aussi, je pourrais mettre des attaques supplémentaires. Et tu pourras le rapporter à Ratatosque dès que tu seras prêt. Ok. Ok, il y avait juste un petit QTE à faire pour l'emprisonner dans la machine. Donc c'est bon. Donc on va s'arrêter là. Et pour le stream aussi, on va s'arrêter là. Donc j'espère que ça vous aura plu. Likez la vidéo si c'est le cas. Partagez avec vos amis. Laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se donne donc rendez-vous dans un nouvel épisode. Et surtout que enfin... Nous avons donc une nouvelle arme et surtout maintenant on peut utiliser l'espèce de faille qu'il y a contre les murs ou dans les rochers. Donc on va pouvoir refaire le tour des royaumes pour pouvoir en fait récupérer des objets et autre chose. Bye bye.